situation de flux, il y a des mecs qui arrivent, qui vous mettent à terre derrière. Eux, ce qu'ils veulent en général, c'est serrer, vous soulever et vous mettre à terre. D'accord ? Dès que c'est avant que ça soit vraiment verrouillé, voilà, dès que vous sentez le premier effet, voilà, il peut sortir ses tests. D'accord ? Ici, il y a une tête, coup de tête. Voilà, ça, le. Ça va ? À un moment donné, il faut l'éloigner. D'accord ? Pendant ce temps-là, on peut sortir. Ici, il y a un genou qui traîne. Ici, il y a une tête. Toujours pareil. Contrôle au sol. Il y a des pieds. Il y a des frappes. Il y a des frappes. Ici, on vient. On retourne. Ah, il y a plein de contrôles au sol. D'accord ? On va revoir ça. Ça va ? Donc, eh bien, il faut réagir avant qu'ils verrouillent complètement. Et c'est. Voilà. Eux, en plus, souvent, ils sont munis entre les jambes, ça leur fait très mal, ils ont peur, ils vont se reculer obligatoirement. Il y a un coup de tête qui peut venir. Ici, il y a une main qui traîne. Et coup de genou. Ici, il est baissé. Voilà. Quand on tourne, on pense surtout avec contrôle. Il faut contrôler le nez. Ici, c'est pareil, il y a des côtes, il y a un genou. Il y a des frappes. Il y a des frappes. Suivant le retour. Voilà. Il y a toujours des contrôles. D'accord ? On fait une fois ou c'est bon pour vous ? Encore une fois. Ok. Donc on est proche, on sort, ici il y a un petit hop, ici on vient, on frappe, ici on contrôle, voilà, c'est ça, ici, ici, et on se remet toujours à distance, si le gars fait. Ok.